pour dire la vérité et un peu plus. Le personnage était étendu sur une chaise au bord de la piscine et c'était hallucinant de le voir. Il avait l'air d'un vieux crustacé mou qui avait baigné trop longtemps dans l'eau bouillante. Je scénarise un peu son image, mais, comme disait Roland Barthes, tout est signe. C'est énorme. Après 50 nuances de gris, voilà 50 nuances de rouge. Le bonhomme avait dû sauter le chapitre de son guide de voyage au Mexique qui parlait de l'absolue nécessité de s'enduire l'enveloppe corporelle d'une crème solaire. Ça, c'est du gros, du très gros. Ingénieur de formation, à l'époque de la règle à calcul, retraité, il avait la tête d'un curé qui, sur le chemin de Damas, ah, c'est énorme, c'est du gros, c'est du très gros, avait perdu la foi, mais qui, trop vieux pour défroquer, avait gardé la soutane. À côté de lui, sa femme avait endossé le rôle de la ménagère dans la pièce de théâtre du couple. C'est du lourd. Du très lourd. Et alors là, attention. Accrochez-vous. Ce que je vais dire, c'est du gros, du très gros. Le personnage, avec sa tête de chanoine et de directeur de conscience, n'avait vraiment pas la tête à dire, comme Jean Genet, à un jeune séminariste, « Allez, allez, viens t'asseoir sur ma bite et causons !» Énorme. Mais ça, c'était Jean Genet.